Salut les pilotes, on se retrouve pour la suite de nos tests sur la boucle nord. Et là, on va tester l'Aston Martin V8 Vantage. Alors, je l'ai disponible en deux couleurs. Alors, est-ce que je choisis la sobriété, c'est celle que j'avais achetée d'ailleurs, ou bien celle qui a été repeinte par ma copine? C'est assez marrant. Alors habituellement, je repeins pas trop mes voitures, à part les versions course, bien sûr. Mais là, c'est pas mal quand même. J'aime bien cette peinture-là, mais... Non, je vais prendre la version sobre. On va rester sobre. Voilà. Une belle anglaise. Alors ça me rappelle des souvenirs. C'est une voiture que j'avais beaucoup utilisée à l'époque dans Test Drive Unlimited. Et ouais. C'est assez vieux comme histoire. Bah, t'es un petit peu long par rapport à ses concurrentes. Il y a des endroits où je serais arrivé en troisième. Là, je suis toujours en seconde. Ah! Zut! Erreur bête! Mais bête comme pas possible! Elle glisse bien par contre. Alors, je suis vraiment pas sûr qu'elle puisse rattraper les meilleurs qui sont aux alentours de 8 minutes. Ah, zut! Je comprends même pas comment j'ai raté ce freinage là. Enfin bon. Thank you.
faut vraiment faire attention à elle, à la réaccélération. L'arrière pivote très facilement. C'est... en rapport. Elle se vire même beaucoup plus facilement que la BM. Je m'attendais même plutôt à ce comportement-là pour la BM, justement.
du mal à aller chercher la sixième quand même. Hein. Vraiment long les rapports. Je me suis fait surprendre là, c'était en dernier virage. 8 minutes 13. Ouais. Un peu long. Et un petit peu difficile à prendre en main, je trouve quand même. C'est pas le meilleur choix. Pas du tout le meilleur choix. Là aussi, je m'attendais à mieux, je dois avouer. Très franchement, je pensais qu'elle aurait fait mieux que ça. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous dire ciao!